Alexandre, vous avez déménagé cinq nouveaux tableaux tout neufs. Oui, euh, on est rendu sur les berges de la rivière Saint-Charles. C'est la... du culot. Ben euh, oui! Là, on est à la frontière de quatre quartiers, à la, à la fois Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou et Vanier. Euh, nous, on déménage à tous les deux ans, donc cette année, on est en année de création. On a des nouveaux lieux et des nouveaux concepteurs qui ont fait des nouveaux tableaux. Tant qu'à s'approcher de la rivière, on s'est dit on va aller jouer dedans. Euh, fait que Martin Bureau, le peintre et cinéaste, lui, il nous a créé une embarque dans la rivière. On est ici sur le pont La Vigueur, le petit pont de métal vert au bout de la Pointe-aux-Lièvres. Puis on a des tableaux plus plus théâtraux, puis euh, on en a un plus scénographique aussi. Fait qu'on en a vraiment de, de, toutes les, de tous les genres. Un bouleversement pour les yeux. Mais comment on fait ça? Parce qu'un artiste, ça rêve. Hein? Moi, je rêve justement de créer l'embarque dans la rivière avec des voitures empilées. Mais là, je sais qu'il y a une soixantaine de techniciens qui doivent vous ramener à la réalité des fois. Comment ça s'est passé quand on crée cinq tableaux comme ça? Euh, technicien, réalité, artiste, rêveur. Ben ça se passe exactement comme ça, c'est-à-dire qu'au départ on dit aux artistes rêver sans contrainte, parce qu'on veut pas qu'ils soient en train de penser en fonction ouais. d'un budget ou d'un cadre. Puis on leur dit rêver. Puis ensuite de ça, on, on, en fait, ah. ben non, en fait, en fait, nous on essaie de, nous notre travail, ben nous, parce que je fais aussi partie de l'équipe oui. de production, Moi, je suis un peu un entremetteur entre entre l'artistique et la production. On essaie de trouver la façon de le faire. Parfois ça passe par réduire par trouver des nouvelles façons de faire, mais on travaille toujours à essayer de préserver l'essence de ce que l'artiste oui. nous a proposé au départ. Pour ceux qui n'ont jamais fait le parcours déambulatoire, où tu vas quand tu dors en, en marchant, Alexandre Fecto il faut aller voir ça. Bien, absolument, parce que euh, si on ne fréquente pas les théâtres, si on ne fréquente pas les saisons de danse, si on ne fréquente pas les galeries, euh, c'est une occasion gratuite. Euh, facile, facile. À de... Oui, oui, c'est ça. On, on peut accueillir énormément de gens. Euh, on attend 100 000 personnes chaque année. Euh, c'est gratuit, comme je le disais. Et c'est une façon d'entrer en contact avec des artistes locaux qui sont comme au, au meilleur de leur. au sommet de leur art, pour la plupart d'entre eux, et euh, avec des moyens qu'ils n'ont pas normalement. C'est peut-être la petite. Hein, le, le, la petite étincelle qu'on va mettre dans la tête d'un enfant qui va peut-être l'attacher ou l'intéresser au théâtre ou autres arts, à la culture, en fait. Ben oui, mais là, maintenant, ça fait 11 ans que le spectacle existe. On ne sait pas quel impact on a eu, mais oui. on se doute qu'il y a des non, enfants oui, oui. qui, depuis 10 ans, traînent des souvenirs de ces spectacles-là. Bien, il faut y aller. C'est jusqu'au 8 juin. Exact. C'est jeudi, vendredi, samedi, entre 21h et 23h. Et ça vaut la peine de se coucher tard, n'est-ce pas, Alexandre Fector? Absolument. Puis de toute façon, c'est pas très tard. Mais non. On va y aller. Merci beaucoup Merci. et bon carrefour international de théâtre.